alors on se retrouve pour une nouvelle histoire. Nous sommes aujourd'hui le 13 décembre. Et nous sommes avec Myrtille et Citrouille. Citrouillette. L'histoire de ce soir s'intitule Le petit lutin du calendrier. Il y a un lutin dans le calendrier ? Bah oui, apparemment. Le petit lutin en sucre coiffé d'un bonnet en chocolat tape du pied. « Je veux sortir d'ici » crie-t-il. Il habite dans la case 17 du calendrier de l'Avent. Plusieurs de ses voisins sont déjà partis, mais sa fenêtre à lui est encore fermée. « J'en ai assez, tant pis, j'y vais !» Le petit lutin essaie d'ouvrir, bam, un coup de pied, bam, un coup de poing. Mais elle tient bon et à force de s'agiter, il a chaud. Son bonnet commence à fondre et une goutte de chocolat tombe à ses pieds. Il trempe un doigt dans le chocolat fondu. Quel régal! Soudain, sa petite fenêtre s'ouvre. L'enfant qui l'a décollé ouvre de grands yeux étonnés. « Comme il est drôle, ce petit lutin, barbouillé de chocolat !»« Ah non !» crie le lutin. « Je ne veux pas sortir !»« Mais !» fait l'enfant surpris. « Ce soir, c'est mon tour !»« Non !» répond le lutin d'un air gourmand. « Laisse-moi finir mon chocolat, s'il te plaît !» Alors, au début, le lutin voulait sortir, mais quand c'était son tour, il ne voulait plus. J'espère que cette petite histoire vous a plu. Faites de beaux rêves. On se retrouve demain. Portez-vous bien. Et gros dodo!